Une qualification historique en demi-finale du Shan suscite bien sûr une joie indicible. Chants et danses chez les éléphants. Même le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, sort de sa réserve. Les éléphants et leur entraîneur sont certes fiers de cette place en demi, mais ils veulent aller encore plus loin dans la compétition. Depuis le départ, on veut durer dans la compétition, on veut aller loin. On sait qu'il y a un prochain match qui nous attend, il faudra bien récupérer de l'énergie pour affronter le vainqueur de Tunisie-Mali. Quel que soit l'adversaire, nous pensons que nous avons une certaine confiance et nous ne minimisons rien. Nous pensons que nous irons très loin. On a joué contre une bonne équipe du Cameroun, et on n'a rien lâché, on était concentrés du début jusqu'à la fin. C'est ce qui a fait la force, voilà, qu'on a remporté. Voilà. La vita, rien que la vita. La joie débordante des Ivoiriens tranche évidemment avec la déception des Camerounais. Il y a les jours sans toi marcher, bon, c'est Dieu qui a décidé que les Ivoiriens devaient passer. Bon. Là, on est fair play, on va rentrer étant content de notre parcours. Des Lions déçus, mais qui reconnaissent la qualité de jeu de leurs adversaires du jour. D'ailleurs, ils leur souhaitent le meilleur dans ce Shan. Ils ont eu un avantage, ils ont su le garder, ils ont bien joué, ils ont gagné. Je pense que s'ils continuent comme ça, ils vont aller loin. Chez les éléphants, les célébrations se poursuivent dans le car et à l'hôtel. Mais ce soir du samedi 30 janvier, on ne fête pas que la qualification. C'est également l'anniversaire d'Herman Achiojobo, lui qui a été élu meilleur joueur du match Cameroun-Côte d'Ivoire. Le jeudi 4 février, la Côte d'Ivoire jouera sa demi-finale, mais en attendant, on savoure encore et encore cette qualification.